Deuxième fonction, la fonction traiter, la fonction générique traiter, faisant partie de la chaîne d'information ATC. Présentation. Dans la chaîne d'information, les informations issues de la fonction acquérir doivent être traitées, puis communiquées à l'environnement. À cette fin, des solutions technologiques spécifiées sont utilisées. La connaissance de la nature des informations circulant entre les divers éléments est indispensable. Voilà la situation de la fonction traiter. Donc, auparavant, acquérir, maintenant, c'est traiter et après, communiquer. Divers types de traitement des informations existantes. Il y a ce qu'on appelle tout d'abord la logique câblée. Ce type de traitement est figé et en conséquence réservé au système simple, sans possibilité d'évolution. Exemple, pompe, projecteur de diapositive, démarrage direct de moteur. Il est réalisé par des composants électroniques non programmables, ce qu'on appelle des portes logiques, ou électromécaniques, ce qu'on appelle également des relais. La logique programmée. Ce type de traitement est réservé aux systèmes de traitement complexes avec possibilité d'évolution. Exemple, ouvre-portail, API, automate programmable industriel, micro-ordinateur. Il est réalisé par des composants électroniques programmables, microprocesseurs, microcontrôleurs, automate programmable industriel. Voilà des images de quelques ordinateurs MLP, automates. Structure des unités de traitement programmable. Donc, ils sont constitués des éléments suivants. Unité centrale, à base de microprocesseurs, elle traite les informations du programme. Une mémoire conserve le programme, enregistre et restitue les données pendant le fonctionnement. Module des entrées ou carte d'entrée. Circuit électronique qui reçoit les informations et les adapte pour l'unité de traitement. Module de sortie ou carte de sortie. Circuit électronique qui convertit les données de l'unité de traitement en ordre ou information exploitable. Alimentation, source d'énergie pour les différents mobiles et horloge, cadence des opérations. Donc, mémoire de données, mémoire de programme, processeur, horloge et ce qu'on appelle interface entrée-sortie vers bien sûr les périphériques concernées. Exemple de différents matériels. Automate programmable industriel, API, utilisé dans les systèmes réalisés en petit nombre. Il utilise un langage de programmation spécifique. Il est bien adapté à l'environnement industriel. Microcontrôleur, circuit intégré contenant toutes les fonctions nécessaires au traitement automatique d'informations numériques. Il est équipé en outre de portes d'entrée-sortie et de périphériques spécifiques. Et optimisé pour des applications où une faible puissance de calcul est possible. Microprocesseur, c'est un circuit intégré permettant le traitement automatique d'informations numériques selon un programme stocké en mémoire, utilisé pour des applications où une forte puissance de calcul est nécessaire. L'algèbre de Boole, donc dans ce qu'on appelle la logique combinatoire. L'algèbre de Boole, chaque état logique 0 ou 1 correspond à un niveau de tension spécifié par la norme ou le constructeur. C'est un algèbre qui traduit un raisonnement. Les variables ne peuvent prendre que deux états, 0 et 1, passer par des états intermédiaires. Si on considère le bouton pour soi, quel que soit, deux cas et deux seulement peuvent se présenter. Il n'y a pas d'action physique sur le bouton. Alors on dit qu'il est égal à 0. Il y a action physique, alors on dit qu'il est égal à 1. Nous sommes donc en présence d'une variable binaire. Il existe deux types de contacts. A fermeture que l'on note par exemple A. A ouverture que l'on note A barre.
fonction logique de base de fonction oui. Donc allez, c'est la première fonction qu'on appelle la fonction oui. A est la variable d'entrée et S est la variable sortie. S égale A. C'est-à-dire l'état de S dépend de l'état de A. Si A égale 0, S égale 0. Si A égale 1, S égale 1. La table des vérités résume l'ensemble des états d'une sortie pour toutes les combinaisons possibles des variables d'entrée. Exemple. Donc voilà, vous avez à gauche la table des vérités, au centre un schéma de contact et à droite l'opérateur logique, le symbole de l'opérateur logique. C'est-à-dire que S dépend de A. La fonction nom, équation, A est la variable d'entrée et S la variable de sortie. S égale A bar. C'est-à-dire que A, que S ne dépend plus de l'état de A. Si A égale 0, S égale 1. Si A égale 1, S égale 0. Comme on va le voir sur le tableau de Carnot, ou la table de vérité. La fonction E. A et B sont les variables d'entrée et S la variable de sortie. Donc, comme vous pourrez le voir, bon, pour que S ait 1, quand on a la valeur de 1, il faut que A et B doivent avoir égal, en même temps 1. 0 ou 1, ça ne marche pas. 1 ou 0, ça ne marche pas. Mais 1 et 1, d'accord. Par exemple, on a fait le schéma électrique. La lampe, par exemple, ne pourra s'allumer que si A et B sont à l'état 1, elle est passante, elle est fermée. Et ici, là, le symbole logique. La fonction OU, donc A et B sont les variables d'entrée et S la variable de sortie. Regardons la table de vérité. S aura 1 si au moins A ou B a l'état 1. Là, les deux. Voilà, par exemple, S sera allumé si je ferme A ou là si je ferme B. Et ceci étant le symbole. La fonction OU exclusive ou XOR. A et B sont les variables d'entrée et S la variable sortie. Donc A ou B, donc on a un petit cercle Naya. Au lieu de du plus Naya, qui est un cercle. Alors par exemple, 1, plutôt S aura l'état 1 si, par exemple, une seule variable a l'état 1, mais quand les deux variables ont l'état 1, donc c'est l'état 0 nisben S. Donc c'est le symbole de XOR. Fonction logique combinée, NAND ou NON et, NON en anglais et NON et en français. A bar, il y a les coulitons, par exemple A et B, pour coulitons font comme bar. Donc, l'opposé de A, de A bar, l'opposé de multiplication et l'opposé de B. Regardons dans le. Voilà par exemple. S sera égal à 1, 0 ou 0. 0 ou 1. Mais si jamais par exemple les deux ont l'état 1, donc S sera égal à 0. La fonction NOT OR ou la NON E. Donc, c'est la même chose que la fonction NAND, avec au lieu du plus, au lieu de la multiplication, il y a le plus. Regardons. Donc, les deux doivent avoir l'état 0. Si 1 a l'état 1, S sera égal 0. Donc, regardez. Pour l'instant, le schéma ici, la lampe, elle est allumée. Si j'appuie sur le A, la lampe sera éteinte. Si j'appuie sur B, éteinte. Si j'appuie sur les deux, bien sûr, ça sera éteinte. Tout ceci, bien sûr, garde les portes logiques. C'est pour réaliser ce qu'on appelle des logigrammes ou des schémas logiques. Voilà, par exemple, c'est un
Donc là, c'est la fonction, par exemple, qu'on voit ici, qui a deux symboles, ça veut dire c'est non. Là, c'est la fonction E. C'est-à-dire S, ça sera donc, vous avez là l'entrée A, on a tous les A bar. On a l'entrée B et C, l'entrée de compte B et C. C'est-à-dire que S, ça sera égal à A bar ou BC. Équation logique et leur simplification. Définition de l'équation logique. Une équation logique est une combinaison de plusieurs variables logiques ou binaires donnant l'état d'une variable associée dite de sortie. Cette combinaison est réalisée à l'aide d'opérations logiques. Exemple, S égale A et B plus C ou D. Les règles de calcul. La commutativité A plus B égale B plus A. Et A et B égale B fois A. Associativité A plus B ou C. A plus, ça sera la même que A plus ou C, égale A plus B plus C. Donc c'est A et B et C, c'est la même chose. Non. Distributivité, donc AC plus BC. Simplification d'équations logiques par tableau de Carnot. Cette méthode permet de repérer visuellement les simplifications possibles sans utiliser l'algèbre de Boole. Donc, ceci étant un petit tableau de Carnot, donc là j'ai deux variables A et B. Première colonne, l'espace A, c'est 0. Deuxième colonne, c'est 1. Première ligne, l'espace B, c'est 0. Et deuxième colonne, c'est 1. Comme pour la table de vérité, le tableau de Carnot contient la valeur de la fonction pour toutes les combinaisons possibles des variables d'entrée. Construction du tableau de Carnot, on utilise deux règles. On partage les variables d'entrée en deux groupes qui constitueront les entrées verticales et horizontales du tableau. Les différentes combinaisons des variables, donc je vous laisse lire. Donc voilà, par exemple, là j'ai une table de vérité que je pourrais par exemple convertir en un tableau de Carnot. Donc par exemple ici là, par exemple le premier 1 que j'ai là, c'est le résultat de quoi? De A0, B0, C0. Ou A0, 0, B0, 0, 0. Voilà. A0, voilà la ligne A0. Et B0, C0. Donc voilà B0, C0. Donc là, je vais mettre le premier 1. Le deuxième 1, par exemple, A0, il y a la ligne et la colonne de BC. Il y en a 1 et 1. Voilà. 1 et 1, l'intersection. Donc le deuxième 1. Et ainsi de suite. Par exemple, A bar, B bar, C bar, il y a une couleur de 0, 0 et 0. 0 et 0 et 0, c'est 1. Et du coup, les tons, par exemple, le S, c'est A de 1, plus A de 1, plus A de 1, A de 1, A de 1, A de 1. Et par exemple, chaque combinaison là, ça va me donner 1. C'est un exemple là. Je vais me donner 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a mis les 1, alors on effectue ce qu'on appelle des regroupements. Et il y a des ensembles. Voilà qu'ils doivent contenir INMA 2, 1. Ou là, par exemple, 4, 1, 10 mais le double, 10 mais 2, ou là, 4, à condition qu'on ait les 1 adjacents, il y a les côte à côte. Il y a des côtes 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 à des regroupements, à quoi ils servent? À simplifier. Donc, par exemple, l'étape 3, on nous déduit l'équation logique simplifiée. Elle est le premier regroupement. Elle est en bleu.
La condition, il faut que la variable ne change pas d'état. Là, j'ai pas changé de colonne, il y a les préférés B bar, C bar, ou la kim, il y en a deux lignes. 0, le 1, il y en a, si la variable change d'état, il est automatiquement éliminé. Donc là, on dit B bar, C bar, voilà, B bar, C bar. Deuxième, par exemple, regroupement en vert ici, là, 9 chitawa. B et C, ou la kim va, A va disparaître, il y en a un, 0, on a le 1, donc B et C. Et, le troisième regroupement, on dit la ligne 1, ou la ligne qui a 4 colonnes. À des colonnes, où est-ce que, on a par exemple le B, on a C0, on a C0, d'accord, ou la ligne là où la 1, mais il va disparaître. Le C, on a 0, l'égide de la colonne où la 1, donc va disparaître. Donc qu'est-ce que je vais retenir? Uniquement le A.